Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode 13 du SP de Need for Speed 2015. Oui, donc j'ai modifié un petit peu, j'ai mis les dernières pièces sur la Mitsubishi. Et à côté de ça, on a quand même récolté pas mal de thunes, donc je me suis pris la Porsche, donc elle était gratuite, hein, la Porsche était gratuite, donc je l'ai prise pour faire la course avec Amy, donc on fera ça ensuite. Et je me suis pris la Supra, donc on avait 80 000 dollars, donc voilà, 20 000 claqués, donc ça fait 50. Du coup, en termes de pièces, on peut rien dessus, en pièces gratuites. Hein. Donc on va mettre déjà un petit kit large, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a le Varis, c'est tout. Ouais, en fait, il y a que dalle. Hein. Teinté, on va les teinter en noir, fond, hop, capot, thune, Varis. Ah bah, il se fout de ma gueule en fait, non, les sur spin. Hein. Il y a que dalle, hein. On va mettre celui-là, sur spin, avec deux, la plaque. On va mettre des sur spin là-dessus. Position. ABC à fond, voilà. Ensuite, l'aile, ça on peut pas. Achat restreint, ifi. Donc, les jantes, on va changer les jantes. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jantes? Ça sont pas mal. Là aussi, j'aime bien. Ça sont un peu grosses. Hein. Bon, c'est pour le Mustang, donc pas prendre celle de Mustang. Ouais, on va prendre celle. On va prendre les Race. C'est pas mal, les Race. Ouais, celle-là. Pas d'installer, oui. On va peinture en frappe après, hein, on verra. On va voir pour la peinture, j'ai diamètre. On va mettre du gros pouce. On va mettre du Wilbro. Trier, le frein. Même si c'est pas trop visible. Les pneus, des normaux, hein. On va mettre des étirés. On va mettre du Falcon. Bizarre qu'il m'a pas proposé la même jante sur les deux. On va mettre les mêmes. Hein. On va mettre celle-là. Ouais. Je sais pas si c'est les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Pire, c'est pas bien grave. Diamètre à fond. Tac. Voilà. Ensuite, le pare-choc arrière. On va laisser comme ça, juste comme une jupe. En fait, ouais, non, j'aime pas trop, c'est normal. Non, on va laisser. Je sais pas, non, la jupe, j'aime pas trop. On a pas vraiment beaucoup de choix, hein. Un peu dommage. L'échappement, on va pas non plus faire un gros truc de carbone. Ils en l'a pas, pare-choc arrière. Ouais, bon, on va laisser comme ça, en fait. Hein. Tac, on va mettre. Plan. Son de basse à fond. Ouais, vraiment pas grand-chose à modifier hein, dessus. Dommage. On peut modifier les lames, vu qu'on a modifié le pare-choc. Bon, on va laisser comme ça. Hein. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas non plus 36 trucs. Ensuite, en niveau perf, on va foutre à fond. Hein. Plus cher, c'est le collecteur. Non, c'est quoi le plus cher? Mission forcée, je crois. Plus cher. Mettre un compresseur. Hop. Symétrique à fond. On va faire du drift avec. Bon, on arrive pratiquement à plus de thunes. Voilà, à plus de thunes. Tant pis, on pourra pas modifier tout ce qui est culasse, tout ça. Bloc moteur, c'est pas d'origine pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va pas l'utiliser de toute façon. On va la laisser comme ça. On va faire la course avec Amy, là, voilà, elle va me demander. Envie de te prêter la caisse de Nakai-san. Alors viens avant que je change d'avis. Hop, la voiture. Et on va jouer avec. Hop, au moins pour la première course. Après, on verra. Quand même le bruit d'une Porsche, hein, ça s'entend. Pas mal hein, Porsche. Hein. On ne dérape pas du tout, hein. Un crochet à la route. Hein. Ah si. Un petit peu quand même. Par contre, Mimis, comment ça se passe là? Comment t'as fait pour te balader comme ça?
peut-être dû traficoter un peu la Porsche, non? En sortie de virage, à chaque fois ça tire. On peut pas rester droit. Voilà. Chaud, hein, parce que même avec sa 180, elle me met l'amende. Il va peut-être falloir que j'abouse un peu Porsche. Déjà, le nitro, faut qu'elle se recharge automatiquement hein, avec les skip points. Ça. Donc ouais, vu que j'ai plus de thunes, bah en fait je pourrais pas. J'ai tout claqué dans la Supra. Là, on va pas pouvoir. Indisponible, indisponible. Donc on peut rien mettre en fait. Okay, on peut rien modifier dessus. Donc en fait, il va vraiment falloir gérer dessus. Avec. On va retenter du coup. Hein. Et cette fois la manette. Donc je passe à la manette, pas au clavier. Ça sera un peu plus simple. Alors, on va voir ce que ça donne à la manette. 360 hein, manette sur PC, est parti. C'est moi, il y a eu un petit bug là. Les manuels qui sont passés à fond là. Alors, on va essayer de la fumer. Ça va devenir quand même assez monté. Hein. On va essayer de prendre la spi. Bah, c'est pas comme dans The Crew, hein. Pas aussi abusé que dans The Crew la spi là. Bon, ça permet de remonter la nitro. Il va falloir freiner quand même, comme un taré. Quoi le frein, c'est B. Non, c'est X. C'est pas chier à taper dans les murs.
quand c'est la fin qu'on va pouvoir la doubler. Hein. Ce qui était fait que. Je pense qu'elle a scripté cette mission pour faire en sorte qu'on puisse la battre qu'à la fin. Comme une micro-freeze. Hein. Pas très fluide. Là. D'abord, on va essayer de l'avoir. Je vais pas me faire avoir ce punchy canin qu'on a, c'est le jeu GPS qui fait la merde. Putain, mais quel con, pourquoi je fonce dedans alors qu'il se fonçait dedans. Pfff, quel abruti. Oh, c'est mort. Hein. Sur la fin est là. Ah bah, c'est renversé, toute seule. Non, un taxi. C'est bien qu'il me semblait, hein, c'est scripté, hein, parce que là, elle s'est pris deux bagnoles de suite. C'est fait en sorte pour qu'on puisse gagner à la fin. C'est vraiment casualisé à fond quoi. Je vois que t'es dernier tout le long de la course, donc il fait en sorte qu'ils se prennent deux bagnoles à la fin. Tu puisses rattraper. Bon bah du coup voilà. Attends l'appel de Amy du coup. Suspension réglable. Ah bah enfin. Appel, hein. Pour l'instant, on va faire ça. Oh non, lui, il va me faire chier. Putain, mais. Tap in NFS, no, juste let's play. On en discutera plus tard. Bon, les nouveaux, t'es là? Travis a pensé à nous. Peut-être un gros truc comme la dernière fois, hein? Hé hey Amy, on se rappelle? À propos d'une, problème. Ouais, t'inquiète. Je m'occupe de ça et je te rappelle. Cool. À tout à l'heure. Ok mec, ramène-toi vite fait à l'atelier. Travis sera là-bas. À tout de suite. Ok, bon, et du coup on va pouvoir ramener la bagnole dans le garage. Si on peut rien faire dessus en fait. Je pense pas qu'on va la conserver pour l'instant. On a plus de souffle sur nos bagnoles là nous. Donc là celui-là on va la sortir. Même si pour l'instant elle est pas trop montée. Merci. Là-bas. Le petit coquet. Hey. Hey, yo. L'équilibre fait tout. Commence par l'âme, le reste viendra tout seul. Tu vois ces caisses? Ne s'intéresser qu'au seul côté technique, c'est une erreur. Pour faire la différence, il faut voir plus loin. Il faut une âme d'artiste. Et les artistes répètent toujours, ça vient de l'intérieur. Le cœur, c'est le moteur. Et c'est seulement quand le moteur est réglé à la perfection qu'on commence à s'occuper du reste, pas avant. Travis a trouvé un super fournisseur. Avec ses pièces de ouf, ça peut carrément le faire. J'ai déjà vu Nagai-san travailler sur un projet. Il avait mis 4 heures pour installer une seule extension d'aile. Les mécanos de son atelier comprenaient pas son obsession de la perfection. Pour Nagai-san, chaque petite pièce est un trait de pinceau. Ah, c'était magnifique. C'est pour ça que je me demande s'il viendra. T'inquiète. Il viendra. Ok. Bon, du coup, on va prendre la Supra. Hop, ça, on va la mettre dans le garage pour l'instant, la Porsche. Hop. Peut-être que je vais changer la couleur parce que j'ai que du rouge sur mes bagnoles. Je vais juste modifier la couleur. Je ferai la personnalisation avec Living tout ça plus tard. Non, par contre, non. Un truc que déjà fait. Hop.
Peut-être en gris comme ça. On va tester ce qu'il y a dans le ventre. Alors, en plus, j'ai même pas fait les réglages. Bon, je m'en rends compte maintenant. J'ai pas réglé les paramètres. On va voir de base comment elle fait. Comment elle se comporte. Semblant là ou quoi? Merde, je fais RB au lieu de LB. Quel con. Au moins, comme ça, on va pouvoir régler vite fait. Je voulais juste voir l'arrière, son pare-choc, c'est tout ça, mais je n'ai pas eu le temps. Ouais, du coup, on va faire vite fait les réglages. Hop. Donc, pression des pneus, un peu plus forte, un peu moins l'avant, l'arrière. Enfin, du drift, hein. Donc, inertie. Hop. Cache. Aide au freinage au drift 100, 100. Oui. Différentiel vert. Portance plus. Freinage un peu plus. Un peu plus vers l'avant. Précité moindre. Force du frein à main forte. Auto faible. Côté ressort. Raide. Non, plutôt sous parce qu'il y a des boss sur la route quand même. Le roulis plus sous aussi, puissance à fond. Et on reste en manuel pour l'instant, en automatique pour l'instant. Verra comment quand on galérera vraiment pour le drift, quand on sera sur des courses de drift un peu trop compliquées, on passera en manuel. Pour pouvoir vraiment gérer la boîte, parce que là pour l'instant ça pose pas de problème. Du coup, on va prendre Amy là, donc elle m'a appelé. C'est start là. Tac. Arrête tout et rejoins-moi. Je suis avec des runners qui assurent. Ça sent bon, mec. Ce serait bête sprint. De rater bon. Ça. Salut. Oh, ce qu'elle donne la Supra en sprint. Du moteur d'origine. Diable contre nous, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, non, je me fais devancer là. La bagnole n'est pas montée, ça se voit. Je vais pas avoir de chance. Ouais, ouais, je pense que là, niveau difficile, c'est bien confirmé. Avec la bagnole actuelle, là, ça va pas le faire. Oula, par contre, ouais, là, c'est bien viandé.
Si ça se crache à chaque virage, c'est peut-être bénéfique. Quand même la faire à course, hein. C'est pour deux. Je vais avoir le tracé. Ouais, non, ils vont trop vite par rapport à moi. Puisque l'autoroute. Après j'ai fait pour le rythme, ça ne tient pas trop la route de vitesse. Tendance à décrocher. Hein. Fait un takedown, non? Encore du craquage là, oh là là. C'est fait exprès en fait, hein, les bots ils se plantent à la fin quoi. Par contre, ouais, la Mercedes là. Allez hop, ça me rend dans le cul. Par contre, j'ai pas bougé, hein, vous avez vu? Table, hein. Original Motors. Ouais, ça va être vite. J'ai pas eu le temps de voir revenir. Bon, tant pis. On va avoir un donut là-bas. On va le faire. On va essayer de trouver une course à peu près simple. On va gagner un peu de thunes. Ouais, le sprint devant là. Touquet, je sais pas ce que c'est. Concours de drift. Bon, on va. La difficile. Là, on peut gagner la thune. Vu que c'est sur du drift, ça devrait être bon. Hein. Parce que je suis pas premier que je devrais être dernier. On va voir un petit peu ce que ça donne. Faire comme toi là. Putain, mais c'est des bois. Oh là là, putain, mais. Bon, j'arrive à quand même à tenir. Hein. De distance là. Un peu n'importe quoi. Hein. Moment parfait. Je mange le truc, moment parfait. Ok.
ça va, il y a encore 2 minutes. 8:32. Un bon score. Un peu de patate, hein. Je suis obligé de tirer le manche parce que sinon ça tombe pas trop. Au moins comme ça ils vont me lâcher, hein. Je les laisse partir un peu devant. Pour l'instant je suis premier. C'est un bot, hein, c'est pas un joueur, hein. Il fait exprès de tourner en sens inverse pour nous gêner. Même les bots se mettent à troller, c'est mort, hein. J'arrête le jeu, hein. Bon. Pas terrible, hein. C'était pas 12 000 normalement ? On a gagné 8 000 là. Bon, niveau 35. Non, oui. Si, oui. Échappement, ok. J'arrive pas un peu. Bon, on va retourner dans le garage. Ah, je pense qu'on a gagné un peu de thunes. On va pouvoir foutre un bloc moteur un peu plus puissant. De toute façon, après, on va faire des courses de manu aussi. Gymkhana là, je pense que ça se fait aussi en propu. Hein. Ça marche. Tac, donc le bloc moteur, il est où? Même alimentation aussi. J'ai ça. Bon, déjà, on va le passer comme ça. En V4. Tac, 300 km/h. Par contre les 1000 chevaux on n'est pas encore, hein. Je sais pas si on peut d'ailleurs le faire sur Speed. Ouais, bon, j'ai pas amélioré tant que j'aurai pas le dernier niveau atteignable avec l'argent. On va laisser pour l'instant comme ça. Oui, pas trop en fait le fait qu'elle soit penchée à l'avant ou à l'arrière là, garde au sol. On peut peindre les turbillages. On peut pas peindre les pièces une par une là. Si on pouvait, mais là non. En fait là, je suis parti sur un truc mais on changera après de toute façon. Super connard. Bon, pour l'instant voilà, on laisse comme ça. On va sortir du garage. Je sais pas comment ça va durer là pour les épisodes, hein, parce que entre les réglages, la peinture, tout ça, on verra bien. Donc heureux. Donc ouais, j'ai fait 2-3 modifications sur la bagnole. J'ai rajouté un moteur un peu plus puissant. J'ai commencé un petit peu la déco. Ouais, j'ai juste mis un bas de caisse en noir. Ça rend pas mal. Ouais, les peintures pourront changer, bien sûr. Juste modifier le moteur, déjà ça va un peu plus vite. Donc on va faire les courses de Manu du coup. Parce que...
que Manu, c'est pour le style. Après, il y a Robin aussi, hein. Donc à la limite, on peut peut-être aller voir Alpha Cinématique, comme ça va débloquer les courses. Je commençais à me dire que toi et Spike, vous étiez en train de vous faire tatouer. Oh, c'est de la balle ici, non? Oh, qu'est-ce que j'ai faim! Elle est où, ma pizza au pepperoni? Ça me donne mal au ventre. Oh, tu me sauves la vie. Pourtant, elle n'a que 2 heures. T'as du monde à voir en ville. Un crew qui s'appelle Risky Devil. J'ai vu passer les voitures, le look est sans équivoque. C'est clair. Ils reviennent pour en découdre. Tiens, regarde. En voyant cette jante, Amy nous ferait une crise cardiaque. Je te jure. Mais ces gars-là, ils sont fiers des cicatrices qui se sont faites. Yo, Rob, tu viens m'aider? Je suis coincé dans un niveau. Oh, t'as besoin que je te tienne la main? Je te jure. Donc, moi, je bouge pas. Fais en sorte d'attirer leur attention, ok? Je te rappelle plus tard. Je sens que ça va drifter sévère! À toutes! Ouais, bon. Pas terrible, les cinématiques, hein. Je crois que dans Payback, ils ont été retirés. Pas plus mal, hein. Bon, du coup. On va rappeler, hein, je pense, pour la prochaine course. Tant qu'à rappel, on fera cette course-là. Un peu de drift. C'est un peu difficile d'avancer un drift là. Ouais. Encore trop de grip hein, sur les pneus. Bon, je les ai éclatés, hein. Facile. 86 000 le premier, je crois. Le deuxième, il a fait 20 000, je crois, ou 17, un truc comme ça. À niveau 35, là, c'est bon. Tac. Ok, donc c'est validé cette course. On va en faire une dernière, on s'arrêtera là. De toute façon, après, donc, je vais aller manger. Bon, on continuera cet après-midi avec un autre jeu. Et bon, ça c'est sur Twitch, hein, sur YouTube. Vous attendez la prochaine vidéo. Tant pis. Du coup, hop,
On va essayer de rejoindre Robin. Donc, à quoi c'est où? On est pas dans le secteur déjà. Ok, tout en haut. On va se TP hein, quand même. Donc, Train Drift. Ah, je crois que en plus c'est la course qu'on a fait tout à l'heure. Avec l'Aivo. Ah, il faut rester avec le groupe, ça va. Robin, ouais, un peu. Merde, putain. Bon, ceux qui vont en attendre. Ça met de même partout. Ah, ouais, c'est juste avec Robin, ok. Je rejoins. Ça s'enclenche pas le drift. Et je touche à peine, bordel. Bon, de toute façon, là, c'est bon, 80 000, suffisant. Ok, mais attends, c'est bien. Faut avancer là. Pas mal. On va battre 126 000, enfin 26 000, on fait 124 000. Ça va. C'est tendu, mais ça va. Ouais, petit bonus, on en fait une dernière. Chaud là. À distance, si c'est comme avec les flics, ça va être pas compliqué. Ah, purée, je dis ça, je me mange une bagnole.
hop. Égalité. Bizarre. Mais après ils mettent un point aussi n'importe comment là. Forcément il m'a battu. GPS est complètement bugué. Voilà, comme ça il est réparé. Bon, ça a une course en roue là, mais c'est pas chouette. Quand même une ambiance comment dire, ah mais ta merde, putain, en dessous ça ressemble vraiment à Midnight Club hein, dans l'ambiance, jusqu'à Need for Speed. J'ai l'impression que Ghost Game c'est des anciennes de Midnight Club peut-être, non? Ouais, le sprint faudra que je le refasse mec, bah on va retenter le sprint, tiens voilà. Hop. On va tenter avec la bagnole de base, avec le moteur de base. On va juste booster le moteur, on va voir ce que ça donne. Des bons composants, bah ouais, c'est ça. Il y a un seul problème, j'avais pas les bons. Là, on va voir si j'ai les bons. Bah, par contre, ouais, une F40 face à moi, ça va être compliqué. Hein. Ça, j'arrive quand même un peu mieux à les tenir que la fois précédente, hein, j'étais vraiment derrière. Hein. Par contre, la F40 c'est compliqué de la choper là. Enfin, si la F40 devant ou le. Bon, je sais pas, mais. Ah, ouais. Ouais, ça vient avec la F40 devant là. Ouais, c'est pas le plus bien conduire. Hein. Viper en plus. Ok. Pas une Viper mais c'est une Shelby là qui vient de voler. Le gars est tellement basse la F40, l'autre est passé dessus quoi. Voilà.
construite pour le jeu là. On va essayer de le bouffer hein. Compliqué, on va essayer. Encore 4 CP, 3 CP. S'achève cet épisode le numéro 13 hein, qui ne devrait pas porter bonheur. Salut, t'es sur PS4? Non, je suis sur PC, c'est indiqué hein, dans le titre. Certes, on le voit pas quand vous cliquez dessus, mais c'est tout à la fin. Après les objectifs 300 follow. Psy? Quoi, psy? Hey, non, je suis sur PC. Tu fais quelque chose de spécial là? Hey, Rob, tu veux rouler pied au plancher? Attends deux secondes, je suis au téléphone. On se retrouve? Hey, à qui tu parles? Devine. Vas-y, dis-lui de venir. Plus on est de fous. Qu'est-ce que t'en dis? Arrête. Bon, bref, on se voit peut-être là-bas. Putain, j'ai défoncé ma bagnole. Bon, carrément, le truc a... Ouais, c'est pas mal les détails, là. De la carrosserie. Bon, bref. On se laisse là. Merci pour le follow, Coco1717. Tiens, comme ça, on le verra. Je laisse jusqu'à ce que le follow s'affiche. Ça t'aura ta petite dédicace hein, sur l'épisode numéro 13. Je le tue, hein, tu suis, tu verras. Donc ça arrive. Il y a 30 secondes de décalage quand même. Le son, est-ce qu'on va voir l'image? Normalement oui. Voilà, Coco 17, c'est bon. Ok, bah sur ce, mesdames et messieurs, moi je vous laisse là. Hop. Et à la prochaine, c'était Diablo. Ciao.